Hello, bonjour à tous. C'est toujours Cathy, toujours sur des petits tutoriels sur les messageries que vous utilisez plus particulièrement vous sur Gmail, qui est ici, hein, pas de souci. J'ai ouvert ma boîte Gmail pour vous montrer tout ceci, ma boîte Outlook Robin des Bois et ma boîte Bibi Fricotin qui est sur Yahoo. Je vais donc partir à partir de Yahoo pour vous écrire un message à la personne qui est sur Gmail. Donc, bon, peter@gmail.com, c'est mon destinataire principal en A. En copie carbone, je vais mettre mon deuxième destinataire du message qui sera Robin des Bois, qui est sur Outlook. Et je vais mettre en CCI, c'est juste histoire de réviser les champs A, CC et CCI. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. On peut évidemment mettre plusieurs personnes dans les champs CC, ou tout simplement plusieurs personnes dans les champs A. CCI, je vais me mettre directement moi, Bibi Fricotin. Voilà. En objet, nous allons mettre répondre à tous, puisque c'est le sujet du jour. Ça, on saura que c'est celui-là comme message. Et je dis simplement bonjour. Bonjour à tous, puisque j'écris à plusieurs personnes. Donc j'envoie ce message-là à Peter Pan sur Gmail, à Robin des Bois sur Outlook et en invisible. Je me renvoie ce message en invisible. Et j'envoie le message à tout le monde. J'attends un petit peu et nous allons pouvoir voir, parce que le but ici c'est de vous montrer comment on lit le message et comment on répond à tout le monde. On voit sur Outlook Robin des Bois qu'on vient bien de recevoir le message. Ici, répond bonjour à tous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur Gmail. Pour ceux qui sont sur Gmail, je clique donc sur Gmail Peter Pan et je vois bien effectivement le message qui vient d'arriver, répondre à tous. Ici, en objet, l'heure et celui qui me l'envoie. Je clique sur le message et on voit bien ici que on a la réponse. Pour vous particulièrement, vous êtes sur Outlook, puisque c'est sur Outlook que je voudrais vous montrer. Donc je vais cliquer sur boîte de réception. On voit bien la réponse ici. On voit bien que ça part de Bibi Fricotin qui est sur Yahoo. Que c'est destiné à Pan, Peter, Cathy, Gmail, mais que c'est destiné aussi à Robin des Bois sur Outlook, comme vous pouvez voir ici. Et c'est bon. Vous êtes sur Outlook. Vous souhaitez donc répondre à ce message que vous venez de répondre, que de recevoir. Ici, la petite flèche qui est à côté en haut de répondre. On clique sur la flèche et on va dire répondre à tous. Et je clique sur répondre à tous. Ainsi, je réponds à qui? Je réponds à Bibi Fricotin et à Peter Pan qui est sur Gmail. Évidemment, je ne réponds pas à celui qui est en copie invisible. Et je dis bonjour à tous. Et j'envoie mon message. Voilà comment répondre à un message à plusieurs personnes sans aucun problème sur Outlook et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel sur cette boîte mail. À bientôt.